Bonjour, alors je vais vous montrer dans cette courte vidéo, je vais faire plus court possible, comment procéder pour être certain de ne pas vous tromper parmi les erreurs que je vous propose, en vous suggérant une méthode assez simple. Il vous suffit d'observer le début et la fin des phrases, déjà pour procéder par élimination. Donc, je vais dans un premier temps repérer ici le fait que nous nous demanderons, c'est ici, je vais le déplacer si je peux, cette première manière de faire, vous voyez immédiatement apparaître, bien sûr, ce qui nous permet de poser une question indirecte, une amorce de phrase qui va être suivie par des compléments. Nous demanderons quelque chose. Donc on avait vu dans la petite vidéo précédente que forcément, dans ce cas-là, on n'utilisait jamais le point d'interrogation. Donc vous allez pouvoir immédiatement éliminer deux phrases, celle qui se termine par un point d'interrogation. Il reste ensuite à choisir entre les deux qui restent, laquelle est correcte. Et ben pour ça, vous allez chercher un deuxième élément qui est une erreur classique, c'est l'ajout simultané de ce début de phrase et de l'inversion. On fait l'un ou on fait l'autre. Ici, celle-ci est fausse. Donc vous avez, par élimination, réussi à trouver quelle est la phrase correcte, parce que celle-ci, elle respecte l'ordre finalement d'une phrase affirmative, mais elle est précédée, comme quand on fait avec « est-ce que », d'une tournure qui suppose interrogation. Donc ça, c'est la phrase qui est correcte. Je vais le signaler par un cadran en vert. Voilà, celle-ci, on l'a trouvée par élimination. Voilà. Alors, quand on fait pour les tournures directes, ben, vous vous doutez bien que c'est exactement l'inverse. Donc le mot interrogatif se trouve au début. Quelle image? Quelle image? Ici, c'est donc une question directe. Qui dit question directe dit impossibilité d'avoir un point, et forcément un point d'interrogation. Et puis, pour finir, bah, on peut se poser la question de savoir s'il va y avoir inversion ou pas. Donc là, vous le savez que puisqu'il y a un mot interrogatif en une tournure directe au début, et non pas une locution comme là, on peut tout simplement savoir qu'il va y avoir forcément l'inversion. Donc celle-ci est fausse, puisqu'elle ne contient pas l'inversion, et par élimination, vous avez trouvé la bonne réponse. Donc si cette méthode vous aide au moins à réussir le test, eh ben c'est pas mal. Si ça vous aide également au moment où vous êtes en train de tout simplement réfléchir à votre problématique, peut-être en ayant suffisamment répété, ça devrait devenir un réflexe. Sachez qu'il est souvent assez difficile de changer une habitude qu'on a fossilisée. Et c'est ça le problème. Voilà, donc je vous invite à vous entraîner, tout simplement. À bientôt.